Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour toujours un make-up d'Halloween qui est l'avant-dernier déjà. On s'en passe vite et on se retrouve avec un démon vert. Donc, l'année dernière, je vous ai fait le démon bleu que vous pouvez retrouver dans la playlist d'Halloween qui est en barre d'infos. Et cette année, je fais le vert. L'année prochaine, je pense que ça sera un gris. Voilà. Vous dites-moi d'autres couleurs, les couleurs que vous aimeriez voir en commentaire. Mais je pense que l'année prochaine, ça sera un gris. Voilà. Donc, vous allez voir que ça va encore aller très vite, je pense, tout simplement. Donc, je vais dégager la touffette. Je vais mettre mon petit serre-tête chat, vu que la vidéo des chats est terminée. Voilà. Donc, j'ai encore ressorti la Green Envie. Voilà, la XX Envie. La X Envie de XX Révolution. Ah, mais je vais y arriver. Et je vais tout simplement prendre le kaki qui est juste ici. Donc là, j'ai fait mon teint. J'ai juste pas mis d'anticerne parce que vous allez voir que j'en ai franchement pas besoin. Et je vais utiliser mes doigts pour les fards à paupières, encore une fois. Voilà, ça économise le lavage de pinceau. Donc je prends celui-ci avec trois doigts. Alors je vais me rapprocher quand même un petit peu, hein, en même temps. Et je vais donc commencer ici. Voilà. Donc là, ça fait ma forme de base, on va dire. Après, il n'est pas super pigmenté celui-ci, hein. Mais bon, je ne vais pas utiliser un autre. On fait pareil de l'autre côté. Bon, je vais quand même devoir utiliser des pinceaux, hein. Je vous dis avec les doigts, mais il n'y a pas que avec les doigts. Disons que là, au moins, on a la forme. Ici. Ici. Voilà, on a la forme de base. Donc, on nettoie ses doigts quand même, hein. Ok, donc je vais quand même prendre un pinceau plat pour plus intensifier la forme. Donc je garde le même fort. Hein. Ouais, c'est quand même mieux au pinceau. Donc on n'hésite pas, hein. On en met, on en met, on en met. Puisqu'après on va estomper, donc il faut quand même que ça se voit. Je comble les trous. Il était temps que je le filme, ce make-up là, parce que j'arrêtais pas de changer d'avis. Je sais pas pourquoi. J'avais une idée et puis je rechangeais et puis je rechangeais. Pourtant, il est prévu depuis l'année dernière celui-là, donc bon, comme à peu près tous ceux que j'ai fait, mais. Là, c'était vraiment celui-ci. Je sais pas pourquoi je changeais d'avis tout le temps. Mais bon, je pense que le rendu va être sympa. Donc ici, j'ai fait plus large. Donc je vais essayer d'élargir un peu de l'autre côté après. Sur un minimum symétrique. Bon, ça n'a pas besoin d'être très net, hein, mais un minimum. Bon, ici, je vais rajouter juste. Comme ça, pour que ça fasse un peu plus net. De toute façon, on va délimiter après, hein, ne vous inquiétez pas. Hyper poudreux ces fards, hein. C'est un enfer. Donc ensuite, pinceau estompeur et on blende les bords. Donc on essaye de descendre le plus possible de manière diffuse le fard. Après, vu qu'il est tellement poudreux, ça se dégrade un peu tout seul. Ok. Par contre, ici, ça fait des taches. Ça m'énerve. Je vais reprendre du fard.
Je les tends de plus en plus, pour finir, j'en avais partout. Donc ici, j'ai marqué un peu plus le trait ici quand même. Que reste assez net. Ok pour ça. Alors, tout fait m'embête. Ensuite, la ligne en noir. Donc, toujours Glisten. Hein. Et donc, je vais commencer par faire les bordures, mais vraiment en pas net du tout, quoi. Je sais pas comment expliquer. En hachuré. De manière dégueulasse. J'ai commencé par ici. Là, nous avons une forme un peu phallique. On fait ça sur toutes les formes vertes. Donc, au moins, l'avantage, c'est que si vous foirez, c'est pas grave. J'estompe juste les pointes au doigt. Je pense que ça fera plus joli. Mais vous voyez, c'est vraiment pas net, quoi. Donc voilà, vous avez compris le principe, je fais pareil partout. Donc voilà, j'en suis, j'ai fait mon petit triangle ici, j'ai oublié d'enregistrer. Donc je vais faire pareil ici. Sans vautrer, ce serait bien. Là, on est plutôt centré, je pense. J'espère que vous voyez ce que je fais. Ok, alors je prends un tout petit peu pour faire un peu comme des traits qui reviennent. Vous allez voir. À l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de relief. Ça fait une carotte ici en dessous. Là j'ai un phallus et là j'ai une carotte. Oh. Donc là, on ne fait pas du tout attention à la symétrie. Hein. Je fais juste attention à mes rides. Pour ne pas en foutre dans mes rides, sinon ça va baver, ça va pas être beau. Voilà. Écoutez, je voulais rajouter du liner vert, mais je pense que finalement... je vais en mettre juste un tout petit peu du vert ici, de chez Glisten, qui est le K-Lime. Je vais quand même en mettre un tout petit peu, mais vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Juste pour donner un tout petit peu plus de relief encore. Je vais juste refaire quelques... repasser un peu en dessous. Ouais, ça donne tout de suite un peu plus de profondeur. C'est bien, je suis contente. Oh. Ok, bah écoutez, on est pas mal. Mais je crois qu'on en a quasi terminé. Je vais juste mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et du kaki en muqueuse inférieure. Je vais mettre des fossiles avec les points de verre de chez Chine. Et je vais mettre sur les lèvres celui-ci, ça doit être le Dick Président, je crois. Non, Crocodile Tears sur les lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà le look final pour le Green Demon. Donc les cornes, je les ai fait avec vous en vlog. Voilà, j'ai juste dû, il y a eu un petit problème technique. Je les avais mis d'abord sur des pinettes pour les piner dans mes cheveux. Et ils se sont décollés quand j'ai essayé de foutre ma touffe dedans. Donc du coup, je les ai recollés sur un serre-tête qui est ici. Donc j'ai dû faire ça rapido pour pouvoir faire la fin de ma vidéo. le Crocodile Tears est officiellement terminé. Je suis tristesse, je suis déception, j'ai dû racler les bords pour avoir de quoi mettre sur ma bouche. Il va falloir que je me rachète en grand format, celui-là j'adore.
Bref, bon, après, j'ai d'autres rouges et verts à terminer en priorité, quand même, hein. Voilà. Donc, j'espère que ce look vous plaît. Je suis bien contente d'avoir changé d'avis tous les 2 jours, puisque j'aime beaucoup le rendu de ce look-ci. Ça fait un peu militaire aussi. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire, comme d'habitude. Mais je suis à s'y faire. Alors oui, on va encore me dire que ça va crescendo et attendez celui de demain. Ah non, c'est pas demain, c'est lundi, le 31, c'est le dernier. Boubou. Tristesse. Bref, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi la couleur du prochain démon, mais je vous avoue que j'ai très envie de faire du gris. Donc voilà, dites-moi si gris ça vous intéresse ou si vous préférez une autre couleur pour l'année prochaine. Et voilà, donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.